Camilla, cet après-midi, je suis libre. On pourrait aller faire du shopping parce que tu as besoin d'un peu de changement dans ta garde-robe. Ce n'est pas que je déteste ta façon de t'habiller, mais bon, tu devrais penser à un changement de look. Non, tu sais quoi, Ludmilla, aujourd'hui, je peux pas parce que j'ai cours d'origami. Et demain, je vais chez le dentiste. Et après-demain, je vais à mon cours de plongée. Oh, alors le week-end prochain, peut-être? Non, non, Ludmilla, parlons de ça plus tard. Ou bien attendons la semaine prochaine. Là, je suis débordée, d'accord? Viens par là. Tu as menti. T'étais en train de m'espionner? Tu as menti exactement comme moi. De quoi tu parles, Broadway? De quoi je parle? Je t'ai menti parce que je ne savais pas quoi faire. Et toi, tu viens juste de mentir à Ludmilla. C'est pareil. C'est la même chose. Ouais, oui, oui. La seule différence, c'est que quand tu m'as menti, j'étais ta copine. Et alors, c'est pareil, non? Je t'ai menti comme tu as menti à Ludmilla. C'est quoi la différence? Vas-y, explique. Je te l'emprunte. Viens avec moi. Viens, parce que je parle avec Broadway. Il faut que je te raconte. Camilla, j'ai passé une soirée géniale avec Marco, il est si gentil, si mignon. Oh, je crois que c'est mon prince charmant. Quand il me regarde dans les yeux, c'est comme s'il savait déjà tout ce que je pense, tu comprends? Je lui ai donné mon numéro de téléphone, celui de mes parents, celui du studio, on ne se perdra pas de vue. J'ai aussi donné ton numéro et celui de Violetta, on ne sait jamais, hein. Mais il ne m'a toujours pas appelé. À ton avis, j'en peux plus de lui, Francesca, il me dit que je suis une menteuse, alors que c'est lui qui a osé me mentir sans aucun scrupule. Réconciliez-vous, toi et Broadway, il s'est excusé des dizaines de fois dans toutes les langues du monde. Quoi? Tu prends sa défense alors, mais t'es mon amie, Francesca. Bonjour tout le monde. Il est déjà tard. Ne perdons pas de temps et commençons. Vous êtes tous prêts? Bien, c'est parti. Et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Je te dis que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et toi tu me parles de Broadway. Et toi tu prends sa défense, Francesca, si on est vraiment amis, tu dois me défendre. Dites les filles, vous pourriez baisser d'un ton parce que je n'entends plus la musique. Non! Hé, hey, mais pourquoi vous vous en prenez toujours à moi, les filles? Tout ce que je veux, c'est qu'on soit amies. Mademoiselle, c'est trop cruel. Je vous rappelle qu'on est en cours. Eh bien, je suis désolée, mais dans ces conditions, je ne peux pas. Ludmilla, à ta place. Vous, je vous verrai à la fin du cours. On reprend au début, s'il vous plaît. C'est parti. Et 5, 6. Maman, Marco a appelé? Oui, c'est encore moi. Il a appelé? Merci quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il appelle pas? Oh, Ludmilla, ça va s'arranger, t'en fais pas. J'irai parler à Francesca et Camilla pour qu'elles te pardonnent. Excuse-moi, Ludmilla, pour ce qui s'est passé en cours de danse. Je ne voulais pas te faire de peine. Non, je comprends, Francesca, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû m'immiscer entre Camilla et toi. Et mais tu sais, vous êtes tellement proches que je n'ai pas supporté de vous voir vous disputer. Je n'ai pas pu résister, c'est tout. Honnêtement, Ludmilla, j'ai beau faire tous les efforts du monde, j'ai vraiment du mal à croire que tu as changé. Mais calme-toi, parce que de toute façon, avec le temps, on sera bien assez tôt si tu es différente. Bon, d'accord, alors ça veut dire qu'on est amis. Désolée, mais je dois vous laisser. Salut. Salut, Broadway. Alors, dis-moi tout, comment ça va? Bien, bien, ça me fait plaisir de revenir au studio. C'est toujours bon de revoir tous ses amis. Oui, en fait, je voulais te parler de Camilla. Ah, Camilla, eh ben, je sais pas trop. Tu sais ce qui s'est passé entre nous, mais ça va s'arranger. Cette fois, ça va être compliqué. Tu penses? Francesca, tu pourrais peut-être, je ne sais pas, m'aider à essayer de parler avec elle. Je pourrais le faire, mais j'ai peur que ce soit encore pire. Bon, merci quand même. Mais de rien. On y va? Je te suis. Je suis une actrice extraordinaire. Je t'avais dit qu'elle serait toute retournée. Je t'ai aidée. N'ai rien, allons-y. Violetta! Ça va, salut. Marco t'a appelé? Quoi? Est-ce que Marco t'a appelé? Il ne m'a pas appelé sur mon portable chez moi ou au studio et je lui ai donné ton numéro, si jamais il y a urgence. Non, Francesca, il ne m'a pas appelé. Vérifie, s'il te plaît, tu n'as peut-être pas entendu. Allez. Non, tu vois, personne ne m'a appelé, j'ai aucun appel en absence, rien. Il ne m'a même pas envoyé de SMS. Mais c'est rien, tu l'as vu il n'y a pas si longtemps, il t'appelle. Je rêve, alors tu le défends? Il m'a déjà oublié. Qui est-ce qui doit t'appeler? Broadway? Quoi? Eh oui, je t'ai vu, Francesca, je nous croyais amis, toi et moi. Bien sûr qu'on est amis, Camilla, de quoi tu parles? Ah, s'il te plaît, quand tu dis ça, je crois entendre un autre mensonge de Broadway. Écoute, Camilla, ce que Francesca essaie de te dire, c'est qu'elle ne comprend pas où tu veux en venir. Je veux savoir ce qu'elle fait avec Broadway. Moi, avec Broadway? Je t'ai vu le prendre dans tes bras. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de t'aider. Oui, c'est ça, alors t'essaies de m'aider en devenant sa confidente. Mais arrêtez, vous êtes amis, qu'est-ce qui vous arrive? C'est du passé, notre amitié. Je suis plus l'amie de Francesca. Ni moi de Camilla.